Alexandre Le Trenne et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans La Loi des séries, sur VL. Personnel, des projets justement hors de Plus belle la vie qui arrivent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour toi? Peut-être des projets, peut-être au théâtre. Voilà, mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Finalement, je vais pas dire. Ouais, pardon, hein, je peux pas se parler. Non, mais c'est pas acté, secret. Donc je vais pas commencer à balancer un truc. Voilà, si, je sais pas, moi, s'il y a le metteur en scène qui m'a pas encore choisi, qui regarde, il va se dire, mais il dit n'importe quoi, ouais, il est taré. Quoi. Ça va pas, non? Mais des fois, pour obtenir quelque chose, il faut imaginer qu'on l'a déjà. Ça aide, c'est le pouvoir de la pensée. La loi de l'attraction. Exactement. Généralement, les acteurs connaissent ça. Donc, Alors, moi, j'imagine que vous avez déjà votre successeur et que. Non, bon, ça marche pas. En attendant, on rappelle donc que le prime de Plus belle la vie, c'est ce soir à 21h sur France 3, qu'on vous conseille vraiment de le regarder. Et puis Profilage qui se poursuit donc. Il y a 10 épisodes pour cette nouvelle saison. C'est jeudi soir à 21h sur TF1, juste après le journal. Vous pourrez retrouver ces nouvelles aventures et donc découvrir comment justement le personnage de Adèle va partir de la série. Voilà, on n'a rien dit. Ça, pas il y a encore 8 épisodes où elle est là. Et elle monte en puissance. Voilà. Tout monte en puissance. Oui, mais quand même. Alors là, maintenant que vous l'avez dit qu'elle partait, c'est ce que tout le monde. Vous pourriez quand même avoir une image de la nouvelle, quoi. Parce que depuis tout à l'heure, regardez. Il pourrait quand même y avoir une nouvelle image de. Mais est-ce que ça t'intéresserait pas d'être la nouvelle Oh putain. Pas le spoiler. Je vais faire une alerte spoiler virée. Ouais, c'est ça. Je suis Hakim Latsko, nouvelle héroïne de Profilage. C'est la mode en plus. Le transsexualisme maintenant. Il y a plein d'acteurs transsexuels. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.